Les transports gratuits à Dunkerque. Depuis que les transports sont gratuits à Dunkerque et dans son agglomération, Sonia a changé ses habitudes. Elle prend le bus pour rejoindre le centre-ville. Pas besoin de chercher une place de parking. On laisse la voiture devant la maison et puis voilà. Et on en a plus souvent par rapport à auparavant. On avait un bus toutes les 20 minutes et aujourd'hui on a un bus toutes les 10 minutes. Et rien de négligeable pour le budget de cette jeune femme, elle économise 240 euros par an. Les transports gratuits à Dunkerque. Depuis que les transports sont gratuits à Dunkerque et dans son agglomération, Sonia a changé ses habitudes. Elle prend le bus pour rejoindre le centre-ville. Pas besoin de chercher une place de parking. On laisse la voiture devant la maison et puis voilà. Et on en a plus souvent par rapport à auparavant. On avait un bus toutes les 20 minutes et aujourd'hui on a un bus toutes les 10 minutes. Et rien de négligeable pour le budget de cette jeune femme, elle économise 240 euros par an. Question. Est-ce que les transports sont gratuits à Dunkerque? Sonia utilise-t-elle sa voiture ou le bus pour aller au centre-ville? Y a-t-il plus ou moins de bus qu'avant? Combien d'argent est-ce que Sonia économise-t-elle? Où se trouve Dunkerque?